là. Et ben voilà, on est déjà là, hein, le temps donc de boire un bon petit café ensemble, Nena, Patrick et Teddy. Ben là, il y a pas la vie Ted, ça même. C'est ça, bon, ça va, ça fait une bonne ouais, route. Ça va, ouais. Ça va, t'es un petit peu long, mais bon, l'arrivée. C'est impeccable. Ouais, impeccable. En tout cas, le temps de patienter, de boire un bon petit café. Nous, on va écouter un peu la musique et puis nous retrouvons tout à l'heure. Ok, pas de soucis. Rebonjour, pour ça qui viennent à l'émission de Tipos Radio. Là. Allez, là, nous les dents gardiens, musique locale 974, nous va dire découverte ou redécouverte d'un artiste ou d'un groupe de La Réunion. Aujourd'hui, moi, Nena, en face de moi, le groupe D'ici là, ben, nous sentir bienvenue à Ted, Teddy, Patrick, merci, et puis la Sabrina, normalement, la chaise est vite, elle est là. Ouais, pourquoi ben, Sabrina va venir en fait, ils ont dit qu'il n'est pas né parce qu'ils chantent la chorale et aujourd'hui, elle était prise. D'accord, c'est que, pour ça. Ouais, d'accord, elle sera, bonjour. Elle ne sera pas punie alors. Donc, le groupe D'ici là, c'est un groupe donc, de formation musicale de l'Ouest, de l'île de La Réunion, à Pointe-Neuf-Saint-Paul. Ça me même. Ouais, donc, si j'ai bien compris, le groupe est formé de Teddy, Patrick et Sabrina. Et non, Brian ben, et puis, ouais, mon petit dernier garçon. Ben, Mathieu, qui n'est pas pu venir aussi parce qu'il a soir, il rentre trop tard. Parce que la fête. Ouais, ben ouais. Justement, Teddy, t'as des comptes à rendre. Quoi, ça, on l'a fait hier soir. Soir, comme tu es jeune, hein. Mathieu, son retire en camarade, et puis voilà, la fête, tu l'as fait tranquille. Alors, donc, alors, c'est un groupe familial. Ouais, c'est ça. Tu ressembles trop, hein. C'est un groupe familial. Alors, qui ça a eu l'idée de créer le groupe? En fait, c'est moi, le papa. En 87, moi, j'avais sorti un album. Un album famille que moi les garçons n'étaient pas encore trop parce qu'ils étaient encore trop petits. Mm-hmm. Et voilà. Et quand la soirée de l'album là avait un nom, là c'était un groupe, c'est. C'était toujours le groupe D'ici là même. Le groupe D'ici là. Ouais, voilà. D'abord, là il faudrait peut-être dire aux gens qui écoutent la radio, puisqu'en fin d'émission, on aura un petit jeu pour gagner le CD. Maintenant les gens entiers, maintenant même CD, ok. Alors, en quelques mots. Justement, parle-moi un petit peu du groupe D'ici là. Qui ça a eu l'idée d'abord d'appeler Ali comment D'ici là? Ben, laissez parler parce que D'ici là a créé. Ouais, voilà. En fait, en 96, on a créé le groupe D'ici là. Et en fait, enfin, tu n'appelles pas encore le groupe D'ici là. On avait un batterie, et guitare, clavier. On était commencé comme tous les autres et tapé un petit peu D'ici, tout ça. Après, on a décidé de faire des créations. Enfin, moi, m'a décidé et puis. Voilà, nous la commence comme ça, et puis nous prenons un nom, mais tu ne trouves pas, un dit tu mets tel nom, là, tel nom. Après, il y a une fille que tu chantes avec moi ici, et il a dit, bon, ben, si tu ne trouves pas, ben, si là, la voix, ben, après, il dit, ben, tiens, pourquoi pas mettre d'ici là. Ben, voilà, ben, après, bien trouvé, voilà, souvent, hein. Le groupe était créé comme ça, d'ici là. D'accord, donc, t'as là, on l'a dit en 96, sur la sortie de CD. Voilà. Donc, à l'époque, je suppose, votre maman, elle a été, ça t'envoie 6 ans, hein. 6 ans, ouais. Et qui s'était joué à l'époque? Ben, à l'époque, on avait des musiciens, enfin, cousins, cousines, et puis, des camarades. Mm-hmm. Voilà, ben, il a commencé. Mais avant, la pauvre groupe petit là, il était batteur, il était joué dans un groupe, mais il était fait variété. Quoi. D'accord. Et pendant 2 ans, comme ça, ben, après, il dit ben, les autres, ils ont gagné un groupe, mais il dit ben, pourquoi ils ne gagnent pas aussi moi? Ben, il a essayé. Ben, voilà. Voilà, le temps a passé, bonne maman, il a grandi, donc à où là, maintenant, la musique? Ben, après, ouais, voilà, ben, quand on commence à jouer une soirée à droite à gauche, et t'es dit, ben, il vient, ben, il aime ça aussi, t'es dans la pauvre. Et puis, ben, doucement, il a commencé à jouer. Mm-hmm. Ouais, ben, il les pratiquer comme ça. Après, ben, le deuxième l'a trouvé. Et ici, il a rentré dans ici, dans la danse. Oui. Alors, et justement, mais ça, en fait, avec le t'es dit, là. Alors, déjà, la première titre sur l'album, t'es dit. Ben, mais, en fin de compte, c'est l'album 4 titres. Mm-hmm. Et dessus, les 4 titres, ben, ils chantent les deux premiers. Alors, le titre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on chante? Ben, là, c'est aussi comme sur un peu à radio et puis dans la télé, ben, c'est Destiné. Qu'est-ce qu'il raconte? Qui savait écrire le bon ben, c'est moi, même j'ai écrit l'histoire en fin de compte. Ben, Destiné en fin de compte. C'est un maman ben, qui pour un fallité sérieux. Mm-hmm. Et par commérage, la langue de vous, aïe, ben, aïe. Le fil a parti. Mais après, là, on est compte ben, que le maman était sérieux. Elle en fait. A bien fini l'histoire? Oui. Ah. On a vu aussi sur internet qu'elle avait aussi un clip hein, pour la chanson. Voilà, de c'est ça. Comment l'a-t-il passé? Le clip, en fin de compte, ben, voilà, c'est un camarade qui a fait la dernière fois le clip. Nous avons travaillé ensemble et. Comment dire ça? Ben, nous avons mis la main ensemble, nous avons réfléchi au scénario, mm-hmm. nous avons réfléchi ensemble. C'était vraiment un plaisir de faire le clip en fait. Voilà. Donc tu vas là pour la bien. Ça, ça a fait le clip? Ben, en fin de compte, on a fait Chantati. D'accord, c'est à Saint-Paul même. Voilà, c'est à Saint-Paul même.
Et on avait la chance qu'une ait carte bien tronquée. Incroyable. Et donc voilà, on regarde le petit clip et ici. L'amour, tout ça là va surmonter. Zordi, tu veux aller, allez, trace ton destinée. Mais mon gars, t'es où va rester toujours dans mon pensée. Même célébrer des fois, les difficiles m'ont l'aimé. Mais notre l'amour, tout ça là va surmonter. Zordi, tu veux aller, allez, trace ton destinée. Mais mon gars, t'es où va rester toujours dans mon pensée. Toute l'amour, il sera grand, il sera plus fort que la jalousie et mauvais cœur du monde. Même si de temps en temps ton cœur les puisse vraiment rêver au moins, que tu fais à moins confiance pour toute la vie jusqu'à la fin des temps. Toute l'amour, il sera grand, il sera plus fort que la jalousie et mauvais cœur du monde. Même si de temps en temps ton cœur les puisse vraiment rêver au moins, que tu fais à moins confiance pour toute la vie. Jalousie et mauvais cœur du monde. Même si de temps en temps ton cœur les puisse vraiment vivre au moins, que tu fais à moins confiance pour toute la vie. Même si les vrais rêves que notre chemin l'a dévié, peut-être dans mon vie jamais m'a revoir à où. Et cette nuit veut dire où occupe toujours mon pensée. Mais dans mon cœur, mon tête, tout sera toujours présent. Même si les vrais bébés que notre chemin l'a dévié, peut-être dans mon vie jamais m'a revoir à où. Et cette nuit veut dire où occupe toujours mon pensée. Mais dans mon cœur, mon tête, tout sera toujours présent. Jusqu'à la fin des temps, notre amour il sera grand, il sera plus fort que la jalousie et mauvais cœur du monde. Même si de temps en temps ton cœur les puce vraiment, mais peu au moins à moins contente pour toute la vie. Jusqu'à la fin des temps, toute l'amour il sera grand, il sera plus fort que la jalousie des mauvais cœurs du monde. Même si de temps en temps ton cœur les puce vraiment, il veut au moins que tu fais à moins confiance pour toute la vie. Jusqu'à la fin des temps, toute l'amour il sera grand, il sera plus fort que la jalousie des mauvais cœurs du monde. Même si de temps en temps ton cœur les puce vraiment, mais fais au moins, et tu fais à moins confiance pour toute la vie. Jusqu'à la fin des temps, tout l'amour il sera grand, il sera plus fort que la jalousie et mauvais cœur du monde. Même si de temps en temps ton cœur les puce vraiment, mais fais au moins, et tu fais à moins confiance pour toute la vie. Jusqu'à la fin des temps, du groupe D'ici là avec son titre Destiné. Ted, comment on l'a fait pour arriver à la musique? Est-ce que c'est le fait que papa t'ait joué la musique? Ben voilà, ben en fin de compte, comme il y a déjà il y avait un groupe, mais donc la case avait la batterie, un clavier, un basse, mais tout le temps, tu regardes. La première fois, ça va à l'école, au collège, j'avais une petite formation musicale au collège, mais comment on se tapait un peu sur la batterie. Mais comme ça, ma gueule est rendue dedans, mais donc du coup, tous les jeudis, ça joue. Et la case avait été compte. Mais le problème, c'est que tu fais trop des erreurs. Et du coup, après, tu as fait un petit passage à vide, ça ne va pas vendre tout le matériel. Et voilà, tu veux jouer la musique même. Mais là, on avait quel âge quand on l'a essayé? L'âge 13-14 ans. Mm-hmm. Après, il fallait acheter un clavier. Tu commences à peser un doigt. Et après, ben voilà, la musique, le temps. Après, ben, nous l'avons trouvé un groupe, on ben, l'a trouvé d'ici là, mm-hmm, en 2002-2003. Mm-hmm. Et il m'était fait clavier dedans. On va partir en France. Au retour, il fait 2 ans. Il m'a commencé à chanter. Et puis là, ben voilà, la donne est destinée. Ben, fait, voilà.
mon cousin Sabrina, Fano, en fin de compte, maître de fée là, parce que je chante bien avec le love, man. D'accord. Et le problème, ben, qu'on est pas mal, chanter à soirée, il faut bien qu'il s'écarte pour mettre, mettre l'ambiance. Et donc, nous, toute la saison ensemble, ben, une semaine avant qu'on est en studio, on a composé maître de fée. C'est vrai? Ah. Et puis Nana aussi, bah, Nana Souvenir, Nana Séparation, qui ça l'a écrit Séparation? Séparation, c'est moi qui l'a écrit. C'est où l'a écrit? Oui, alors parle-moi un petit peu de ce titre, puisque après nous allons écouter à dire. Bah, fin de compte, ben voilà. Papa l'a honte causé, papa Paul. Alors écoutez, Séparation, c'était bonne morceau qu'il y avait déjà écrit depuis un certain temps. Mm-hmm. Et à moi, ben, nous débutons des fois assis ensemble. Et puis, ben, nous reviens toujours à Patrice Palace. Nous sommes tous ensemble. Ben, on a posé, on a posé, on a posé. Patrice Palace, c'est qui par rapport à eux? C'est la famille, c'est Patrice Palace, c'est un marais, mais qu'il n'a jamais la gagné en compte. Parce qu'il faut savoir, depuis 2002 à 2003, on a changé beaucoup de joueurs. Mm-hmm. Et c'était le seul fidèle vraiment, ben, jusqu'à ce moment-là, il est là. Avec Stéphane Perrin aussi, notamment. C'est deux marais là, il n'a jamais la gagné. Et donc, aujourd'hui, vraiment, si l'album est. Comment? D'ici là, destiné la sortie, ben, c'est un peu grâce au nom de moi, Maïla, en fait. D'accord, donc c'est aussi des musiciens, comment ça va aller jouer ça? Patrice Palace, ben, il joue guitare. Et solo. Solo. Ouais. Et Stéphane Perrin fait la basse, mais là, comme un petit peu aussi fait la basse, ben, il reste toujours là au bout de l'effet. D'accord, mais c'est pas de Galarco même, ça. C'est pas de Galarco, ben. C'est ma main joue de Magnon, en fait, pour le neveu Magnon. D'accord, c'est les histoires familles, même pas. Voilà. Alors, séparation, mais c'est la voix d'une fille, c'est qui chante? Voilà, ben, en fin de compte, séparation, j'ai déjà enregistré des studios. Voilà, le projet n'a pas abouti. Et le même coup, ben, le chanteuse principale de la partie aussi. Donc du coup après, ben, on ne te connaît même pas, mais la famille chante. Ben, Sabrina. Sabrina, voilà, c'est ma cousine. Elle vient de parler avec lui, tu vois, les panifins et tout. Ben, le fils est sérieuse, donc du coup on a bossé ensemble. Et ben, séparation, ben, voilà, c'est l'histoire. C'est la chanter. Voilà, voilà. Et après, il y a une petite différence aussi entre mon tête, c'est ça, on ne voit pas. Ça, on ne voit pas, ils sont en plus le vécu, ils sont en plus l'émotion. Mm-hmm. Ouais. Vite. Mais voilà, le texte est plus profond en fin de compte. D'accord, ben nous écoute ça tout de suite. Mais sinon, 96, quand on a fait mon premier album, j'avais dessus, j'avais Neftit, j'avais un slow, j'avais reggae, Sega, j'avais un calypso, et puis j'avais un CD aussi. D'accord. Et voilà, on a mis un petit peu de tout dedans. Quoi. Avant de donner la parole à Ted, tu fais aussi du live. Oui. Ah, tu fais des répétitions ou ça? Ben, là pour le moment, on fait chez moi la cadre. Mm-hmm. Ouais, il y a un petit goût, il y a un petit cabane, il y a un jeu dedans. Mais après, nous l'a fait un peu aussi cabadoc que le port. Mm-hmm. Ouais, voilà. Et c'est pour plus la case en ce moment. D'accord. Tu fais quand même pas mal de spectacles live ou pas? Ben, là, comme nous l'avons en promotion, il fait dans deux mois le c'est vrai que pas sorti, ouais, voilà. Donc, ouais, bébé, là. Voilà. Et ce que j'espère, c'est que les gens y appellent à nous, et si on a un spectacle. Ben, et, ben justement, si vous appelez à Zone, oui. C'est quel numéro? Mais si tu appelles à nous, 06 92 88 89 11 88 89 11, et puis ben voilà, je te parle à Patrick, et puis ben... On répète avec quoi? 06 92 88 89 11. D'accord. Voilà, je te demande. Donc, Patrick. Nous va voir un petit coup le garçon, c'est sûr. Alors, comment ça, on écoute toute case? Eh ben, moi, mais... bizarrement, mais un peu ouvert, moi, parce que m'écoute Stromae. Mm-hmm. Le gars, pour moi, c'est un gars... les surdimensionnés et pff, je sais pas, notamment son dernier titre formidable. Formidable. Les touchants. Parce qu'il y a tout un autre univers. Et voilà. Et après, localement, le Marmaïk, ben, vous remarquez un petit peu aussi, moi, c'est le gars que j'apprécie beaucoup. Notamment, c'est un bon camarade à la main, c'est Lio. C'est Lio. Voilà. Et quel morceau de lui que Wado? Tiens, moi, là, envie de faire plaisir à vous. Mon soleil. Mon soleil. Eh ben, nous écoute ça alors. En tout cas, nous remercions aussi Miguel, hein, que l'aide nous. Fait que tous les jours m'y pense, mon lumière. Chaque fois qu'on y replame, m'y voit où. Moi, les poudres.
Donc son coup de cœur c'était pour Célio, mon soleil. Dis-moi pourquoi, Célio? Mais Célio, en fin de compte, son façon d'écrire, son façon de chanter, son sensibilité. Snap, vraiment son Ségalov en ce moment, et depuis un petit moment, ben c'est lui. C'est lui. Voilà. Alors ça parle à moi de scène, puis d'autres fait de la scène et tout, et d'autres fait du live. Quand ça la fin arrive à ça, qui fait rien? Ah ben, mais en fin de compte, déjà, mon premier scène, il fait pas longtemps, il fait d'avoir 3 mois, étant chanteur, hein. Ça commence par ce combat. D'accord. 14 juillet, et donc c'est un stress, mais vraiment pas possible. Et bon, voilà, la bien se passer. Et là, dernièrement, il fait pas si longtemps que ça, il fait 3-4 semaines de ça, parti chanter Mariage Saint-Pierre. Bon, nous allons connaître à ça. T'es un mariage vraiment avec beaucoup de personnes, avec au moins 200 personnes. Première fois que tu vois ça. Hein. Et à la fin, tout le monde est folle sur moi et tire photo, mais peut-être raille sur moi. Wow. Sur mon, enfin, mais c'est bizarre parce qu'en fin de compte, où à salon télé, et la première fois, ben voilà. On a vécu ça en direct quoi. Voilà. Et même ce qui touche à aussi, par exemple, ben avant hier soir, on était dans un petit bar, ça prend un truc pour me voir. Bonne fille dit, ah ben où chante ça, où on a fait. Ouais, ben il fait plaisir en fin de compte. C'est vrai, c'est vrai. Et papa, ah, ou, quand ça arrive, ou, quand on part jouer un live et que ou l'a aimé ou bien l'a fait rire, ou bien on l'a pas aimé aussi, hein? Non, ben moi jusqu'à présent, bon, comme dit, on a 25 vies routiers et ben dans tout, tout ça, moi parti chanter, ben ma trouve, t'es bien, t'es vraiment bien. Pareil, après, il y a des paroles pour mes chansons, le stress, ou la peur, ou tremble, mais après, bon. Comme tu vois, un petit rhum arrosé, après tout. Mais bon. Ouais, voilà, sinon, ouais. Ben, les frères Ted, on a le track qu'on chante? Ben, non. Non? Bizarrement, non. Peut-être, comment? Peur de mal chanter, peut-être. Ouais. Il fait peut-être partie du track, ça. Ouais, voilà, mais dire comment que, voilà, me peut me stresser bien honte, non? Voilà, non. Mais c'est vrai, le premier morceau, quand c'est un podium, on commence le premier morceau, on attend le premier petit couplet, on attend dans ce. On l'a rattrapé un petit peu par rapport au ouais, tronc, ou la paix. Après, ou la paix, ou oublie le texte, surtout. Hein, on dit, bah, ok, bah. Mais après, quand la musique donne pas qu'elle est hier, on dit, bah, on va y aller. T'as là, entendu peut-être parler son petit frère, il était, je parle, son petit frère à l'âge de 13 ans, quand ça a été fait? Ben, en fait, mon petit frère, bizarrement, et depuis l'âge de 11 ans, il ne fait pas partie du groupe, hein. Il était comme on jouait une affaire. Et de temps en temps, quand tu es joué, tu es changé un coup, tu es fait un petit coup la basse. Tout. Mm-hmm. Il m'a demandé comment on se focalise, on met sur la basse. Mais elle était grande, elle est tout le temps jouée. Tu n'es pas nourri. Hein. Et une fois, le bassiste n'est pas nourri. Le gars dit à nous, comment, ouais, laisse-le faire la basse. Mais c'était qu'on nous dit, non, tu n'es jamais, le gars va sur la basse. Ou, il est impossible de jouer la basse. Il dit, non, laisse-le. Elle a commencé, tu es joué deux doigts. Mm-hmm. Deux doigts. Ça à l'âge de 11-12 ans. 13 ans, le gars là bosse 6 mois, t'es rentré dans la chambre tout seul, sans le rempli, t'es joué. À 13 ans, il était accompagné à Madison. Eh ben, c'est bien ça. La sorte à nous. Hein. Ah oui, là, là oui, là. Là il fait remarquer beaucoup, surtout dans l'Ouest. C'est quoi son nom, son prénom? Et Mathieu. Mathieu. Oui, sans copier, t'es dit. En plus, pour moi, c'est un peu c'est un don que j'ai gagné. Ouais, parce que. Ali est parti vitesse grand V, hein, et bon, il dit, la tête au moins senti devant, il faut pas te balayer. Hein. Non, mais quand même. Il dit aussi, mieux voir d'aller parce qu'il me connaît, il vaut quelque chose. Bah, et ben voilà. Comme cela, il tient un petit cap de l'oreille, que ben, il n'est pas facile, mais voilà, il fait. Il joue. Il joue. Voilà. Sur l'album, il y a un titre Souvenir. Oui, ça. Qui ça l'a écrit ça? Qui ça l'a écrit? Ah, c'est vrai, il a écrit ça, et puis ben, il chante quoi. Il d'accord. Entend, ben ouais. Qu'est-ce qu'il raconte là-dedans? Souvenir d'accord, mais souvenir de quoi? Mais c'est que, en fait, de couple, quoi, hein, c'était à Mazot, et puis, ben, et puis, à un moment donné, ben, c'est pas pour quelle raison, ben, ils étaient en fini. Ils avaient essayé de trouver des solutions, mais ils ne les trouvent pas. Ben, après, à un moment donné, ben, le gars, qui. En fait, moi, je suis un petit peu pour le gars, c'est. Et il a le moment, j'espère qu'il va reconnaître la vie, et ben, voilà, et puis ben à travers le lit, ben m'a la santé, m'a fait le test. Pour moi on va rester les gens, où sera mon plus beau souvenir. Tous ces beaux souvenirs sera présent dans mon cœur. Il sera pas jaloux, même si demain on va toujours se dire ensemble. L'amour y rend la moins fou. Amiens-moi ou comme un fou. T'as pas besoin de pleurer. Essuie ton larme, mon gâté. Rempli ou de vie de bonheur.
voudrais partager. Où on peut penser, n'y arrive pas à oublier. Si les gens y appellent là avant que nous terminions l'émission, on aura un album, un CD du groupe D'ici là, ben là, l'année justement pour mettre en jeu. Alors la question, le papa, ou qui vous pose la question, vous l'avez dit en 1996, qu'on l'a fait, le CD. Et voilà, sorti un premier album, et une raison si moi, le titre c'était quoi. J'espère que vous êtes là pendant l'interview, vous entendez, tu appelles Radio Salaz et puis voilà, tu gagneras le mot. Je crois qu'il y a quelqu'un en ligne. Allô? 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 Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, c'est qui le téléphone? Catherine de Saint-André. Catherine, c'est ça? Oui. De Saint-André. Catherine, à l'instant même, nous avons le groupe d'ici là, donc dans le studio. Et si vous voulez gagner un petit CD, Nala a dit qu'en 1996, on a sorti un album. Dessus, il avait une chanson. Alors, mais on a deux exemples, d'accord? Soit c'est Vivre en frère, soit c'est Vivre en sœur. Mais ce moment-là, attends, là-haut, malgré ce monsieur, sinon on vous pose des petites questions. Patrick, je ne sais pas, est-ce que vous voudriez poser une petite question à la madame? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ouais, merci d'abord. Et j'espère que, comme vous êtes en train d'écouter la radio, ça rase. Et je voudrais poser la question, est-ce que le CD, il plaît, ou le nouveau album, il plaît à vous ou pas? C'est gentil. Donc, je pense qu'on va essayer de tenter toujours. Hein. C'est gentil, madame. Merci. Ah, d'accord, ouais. Merci beaucoup. Voilà, le but de l'émission, c'est sur tout ça aussi, hein, c'est découverte et redécouvrir donc un artiste. Alors, donc la question, donc, alors, peut-être d'avoir une réponse si vous gagnez le CD. Alors, soit le frère. Vivre en parler, sinon. Bravo, vous avez gagné. Vous avez gagné, voilà. En tout cas, merci d'avoir appelé, c'est gentil. Et bon, raccroche pas, hein, on va laisser donc. On va dire comment faire justement pour récupérer le CD. Ok, merci beaucoup, bon week-end à vous. Au revoir. Elle était rapide, hein. En plus, madame, elle était dans son auto, elle l'a entendu. Donc, ça veut dire beaucoup de choses, puisqu'elle a entendu un titre et elle avait envie de connaître plus. Hein, les pierres. Mais qui s'en a fait la jaquette alors? Allez. La jaquette, c'est Fano Fano, Stéphane Perrin, musicien avec nous-mêmes, grand camarade à moi. Comment il s'appelle Fano? Fano Fano. Fano Fano. Fano Fano, souvent, on y voit dessus Internet. Il ne fait pas si il peut dire. Facebook, enfin bref, hein, souvent m'y voit, c'est quelqu'un les à fond dans ce domaine-là, disons. Bah, en fait, là, il fait ça comme une passion. Mm-hmm. Voilà. Il fait la vidéo. Il fait la vidéo, il fait les photos, il fait les jaquettes, et c'est tout ça, un bon musicien aussi, sans oublier. Et donc, du coup, ben voilà, mais tout le temps, on s'en donne la main, on fait une chemin, comme là, dernièrement, justement, de voir la surprise du clip Jean-Pierre Boyer. Ben, à moins qu'il y ait nos délits, on s'en doute à. Vous avez fait le clip. Combien de temps vous avez pris pour faire par exemple votre clip à vous? Destiné en fin de compte, ma fille à vous, était compliqué parce que dedans, comme ça, on a plusieurs filles. Mm-hmm. Et donc, je vous connais, quand les jeunes nous ça demandé un film, un clip, vous ne pas connu, ben, ils ne connaissent pas que vous chantez. Mm-hmm. Et compliqué. À un moment donné, ma fille, m'a tombé malade. M'a tombé malade le jour pour tourner le clip. Et donc, du coup, on a remettre le clip. Le lundi, me rappelle toutes les filles pour tourner le clip samedi. Puis bien sûr, elle n'est plus disponible. La galère, le jour, l'impression. Après, voilà, elle ne l'a pas découragé, elle a un bon petit message, voilà, nous cherchons des personnes. Après, ben, justement, ben, le jour J, ben, samedi, ben, nous la commençons à tourner. Et t'es vraiment une ambiance, en fin de compte. Tout est à l'aise. Pourtant, tu ne connais pas nous, mais tu es à l'aise. Voilà, les filles l'ont aimé. Et voilà. Depuis tout à l'heure, on parle aussi des réseaux sociaux. Comment ça, tu fais pour promotionner justement cet album? Tu suppose que tu mets sur Internet? Voilà, mais le site officiel. Voilà, si tu peux donner aussi hein, le site officiel. Bon, après, on va regarder ça après. Allez. Voilà, donc, à moi de mon côté. Oui. Voilà, notre site c'est www.facebook.com, d'ici là officiel. Et après, à moi de mon côté, comme vous êtes des jeunes, vous l'avez beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, maintenant mon compte, Ted Gondin. Peut-être d'ici là, Gondin, c'est ben, voilà,
c'est ce que j'exprime par rapport à moi. Parce que nous sommes à trois, mais voilà. Après, moi, c'est chacun, j'ai son chanson. Et donc, voilà, mais juste avec mon début là, mais très apprécié, de mon ami la montée, et de mon apprécier vraiment mon clip, et apprécier vraiment ce que je fais. Et donc, ben voilà, mais à Zot, si ça tient beaucoup de n'hésite pas, justement, et puis voilà, c'était un peu. Et papa, pour promotionner l'album, fait les radios. Ouais, je fais les radios, ben après, mais bah, c'est plus des films garçons parce que bon, et après, j'ai un petit peu plus le temps, et moi, comme il travaille, et mon travail, ça me fait un petit peu pénible, mais bon. Ben justement, comment on fait pour concilier le travail, la musique, vie de famille aussi? Comment oui, tu fais? Voilà, ben, enfin, nous, mi gère. Ben, madame, est d'accord que vous sachiez chanter? Ben oui, ben, de toute façon, elle n'a pas le choix parce que quand elle trouve un moment, elle était déjà dans la musique. Et non, mais elle aime la musique aussi, nous sommes contents. Est-ce que tu dis, est-ce que vous pensez qu'on va aller loin dans la musique? Est-ce que, ou bien, parce que souvent. Si mes pensées sera prétentieux, mais m'espère bien. Parce que souvent, on a des jeunes qui commencent, bon, après, au bout d'un an, deux ans. Non, j'espère bien, mais voilà, il y a la musique. Donc, ce ne sera pas en tant que chanteur, vous voudrez, enfin, c'est mon souhait d'être chanteur et faire quelques albums, mais ce sera toujours en tant que musicien. Et justement, ou en tant que jeune, pourquoi on n'a pas choisi, par exemple, dit, mais ça fait rap, mais ça fait rap, ben, gars, tout simplement parce que ben, la case des jeux, c'est gars. Des jeux, c'est gars, des tapes, c'est gars, l'affaire. Et puis, c'est gars, ben voilà, c'est mon feeling. Je me dis, oh, comment chacun apprend à son feeling. On n'a pas besoin de souvenir, écoutez, Marley va faire vivre. Mais bizarrement, ben, c'est gars-là, il fait vivre même. Parce que déjà, c'est un texte, c'est une mélodie, c'est. Voilà, c'est les bonnes émotions en fin de compte. C'est tout simple, on s'égalope, on a souvent, mais on retrouve de bons textes. Vous connaissez les jeunes, il y a une petite galère, on écoute une chanson, ben, on dit ah, mais on n'est pas tout seul, on a un point de vue. Et donc voilà, mais si vous savez bien, c'est grave. Comment est les autres relations avec d'autres artistes de La Réunion? Ben, en fin de compte, à ma pièce, c'est vraiment bien ouvert. Mais ça va pas prendre un et deux. Et donc, il est ouvert, il parle, il discute. Et il se passe, ben, du moins les chanteurs que je connais, ben, ils discutent là, comme nous avons dernièrement, tu parlais un peu avec ben, justement Célio, il a des conseils qu'il essaie d'assimiler, qu'il essaie de mettre en place pour faire vraiment en fait. Avec qui ça, tu aimerais travailler comme artiste à La Réunion? Bien peut-être musicien aussi, hein, La bonne personne que vous voulez travailler avec, musicien, ben, pareil, il est dans mon formation, c'est Patrice Palace. Parce que le Maramai, pareil, il a un truc. Voilà. Il a un truc, mais il n'a même pas expliqué parce que c'est lui-là, il a nous fait l'arrangement, c'est lui qui a fait l'arrangement musical et tout ça. Et le gars, il est n'importe quoi. Et à part la musique, c'est quoi ça t'intéresse? Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu ne travailles pas, quand tu ne fais pas la musique? C'est quoi ça t'aimes faire? Ah ben, la marche, sport, enfin sportif, bof, ouais. Ouais. Et il aime le sport. Tu as un peu de randonnée, tu vois? Oui, beaucoup. Hein, qu'est-ce qu'on fait par exemple? Qu'est-ce qu'on fait? Dernièrement, ça marche quand même un petit peu, c'est plutôt les neiges. Plutôt les neiges, t'es dur. Et puis ben voilà, même la fête. Mais voilà, après du moment, on vit à moi. Ce qui résume là, c'est que la musique n'est grand partie de temps. Parce que des fois, ma première bouffée, j'habite dans le dos, j'allume mon clavier, mes bosses. Ça joue ballon, le soir, je rentre à la case, j'allume mon clavier, mes bosses. Ben là, des fois, il crie, parce que mon petit frère, je lui dis, écoute, arrête les autres. Mais comment il aime ça là, c'est une passion. Donc là, on va arrêter, on va baisser un petit peu plus, mais ouais, même. Et papa, à part la musique, allez. Ben, moi, mon boulot, ben, comme on vit de famille, la case. Mais après, pareil, hein, comme ils sont de la case, comme ils arrivent, quand ils arrivent, pour 5 et 10 mètres de mon portail, mais on entend boum, la case, il fait, oh, encore. Et, bon, mais après, ils me disent, oh, vos mes autres, là, ils sont en train de taper dessus, je sais pas, mais pour le matériel, là-bas, dans la case, au lieu qu'ils autres, ailleurs. Mais après, bon, ben, nous, on a ça de son, ben, ils ne changera jamais, ils restent comme ça. Alors, avant de terminer, Zah fait l'album dans quel studio? Zah fait l'album de la production Tapaz, Samuel, que ben voilà, au bien de l'album, là, la mienne est très grand camarade, vraiment une personne très bien. Comment s'est passé l'enregistrement? Ben Samuel fait le beat, parce que Samuel c'est un personnage, il est vraiment très gentil, mais par contre il est pointu. Il est pointu, et je me rappelle pour mon chanson Maître de Fait, et comme il m'a fait une semaine avant, ben il n'était pas trop point vocalement. On a fini fait tout, les 4 heures l'après-midi, le gars dit bon, arrête, il faudra recommencer tout. Bah, 4 heures l'après-midi, t'es là, t'es un samedi. Le soir, t'es déjà sorti, ben, moralement, t'es mort. Mais Samuel, voilà, c'est une personne qui est mettre à l'aise, il est simple. Et dans son simplicité, il est bien, parce que vous connaissez des fois, on va prier en grand studio, hein, on est à base, mais non, on va vivre là, on dit, ben, est-ce que va payer? Non, Samuel. Au contraire, même, si les gars amènent les couleurs d'autres musiques,
Si les gars, voilà, le conseil à vous, il est vraiment très agréable de parler avec ça. Alors, avant de terminer, vous avez fait l'album dans quel studio? On a fait l'album de la production Tapaz, Samuel, Samuel Kadé, qui, ben voilà, au biais de cet album-là, la mienne est très grand camarade, hein. Vraiment, une personne très bien. Comment a se passé l'enregistrement? Ben, Samuel fait le beat, parce que Samuel, c'est un personnage, il est vraiment très gentil, mais par contre, il est pointu. Il est pointu, et je rappelle pour mon chanson Maître de Fée, et comme il m'a fait une semaine avant, ben, il n'était pas trop au point vocalement. On a fini fait tout, les 4 heures l'après-midi. Le gars dit bon, arrête, Zorodi, il faudra recommencer tout. Bah, 4 heures l'après-midi, t'es là, t'es un samedi. Le soir, t'es dans Zorodi, ben, moralement, t'es mort. Mais Samuel, voilà, c'est une personne qui est mettre à l'aise. Il est simple. Et dans son simplicité, il est bien. Parce que vous connaissez des fois, après, on va studio, hein. Vous êtes à base, non, on va là, vous dites, ben, est-ce que vous appelez? Non, Samuel. Et au contraire, même, si les gars amènent les couleurs d'autres musiques, si le gars, voilà, le conseil à vous, il est vraiment très agréable de parler avec ça. Et pour les musiciens, il n'y a pas de difficulté, parce que souvent, musicien, quand il est pour rentrer en studio, je vais se mettre au dôme, ça fait les dix des fois pour la tête. Alors la danse, elle a gagné plus, ben non, c'est moi. Mm-hmm. Bizarrement, hein, parce que m'était un petit peu prétentieux, mais jeune. Bah, là, cela fait, la, disons, en fait, côté Patrice, là, a fait, comment dire ça, il a fait beaucoup d'instruments dessus. Mais ben, le gars, comme il dit, ça va vite. Hein. Il a dit, va. Le batteur, un gré, tracé un coup. Mm-hmm. Et, à m'a bien, moi. Parce que je crois qu'il était comment, mais il n'était pas moi. Et après, ben, il a parti quand même assez vite. Après, il me tient en sur le site Daisy. Ouais. C'est une fille qui fait le cœur dessus. Et voilà, puis là, il y a de nous beaucoup. Ouais, beaucoup. Et donc, du coup, la partie. Eh bien, justement, on parle de prétentieux. Quel conseil donner à un jeune? Parce que bien souvent, le jeune, il croit la musique, il est facile. Chanter, tout le monde y chante. Est-ce que pour vous, tout le monde peut chanter? Tout le monde y peut chanter. Après, le tout de savoir pour qui il chante et pour quel. C'est quoi il veut passer? Parce qu'il y a de monde, bon, on peut se tenter, mais de monde pratique. Que moi, si on fait ça, le monde chante pour le commercial. Et moi, ça souvent. Et donc, non, il n'intéresse pas. Mais si vous faites commercial, vous connaissez, mais ça va être quelqu'un, mais ça va être l'artiste, il paye, je ne sais pas combien, il met un morceau pour moi, il fait tout. Non, ben, je fais mon musique, ma décolle là, je me connais aussi, je vais aller avec mon musicien, et voilà, il faut qu'elle aime dans la musique, je pense. Ça, c'est le conseil. Ben, je pense. Et papa, quel conseil vous donneriez, surtout pour une jeune, là, pour une jeune qui croit bien souvent la musique est facile, même si des fois, parfois, il faut avouer, hein, parfois, elle est faux. Mais pour eux, vous allez bon. Est-ce que pour vous, les autres feraient mieux peut-être de demander conseil? Voilà, parce que moi, je me la passe par là, mais t'es gentil, comment on a commencé, bon, je me la passe par là. Après, il ne faut pas vous faire une musique à pauvresse du petit coin, où on fait ma route, où on est bon, où on fait tout, où on vend à vous-même, ou patati patata. Non, on est musicien, des vraiment bons, et qui peuvent donner des conseils, des bons conseils, donc, ouais, fais attention là. Et puis, oui, à partir de là, on connaît, après, on va décoller. Voilà. Est-ce que les est facile pour vous de décrire? En ce moment, ouais, parce que moi, il y a un peu de. Mais non, avant quand mon premier album, je m'étais écrit. Je m'étais passé, je m'étais sur le travail, je m'étais arrivé, je m'étais rendu dans mon chambre avec mon clavier, puis je m'étais cherché. Mais maintenant, comme Nena t'a dit, là, pour le relais, en fait, plutôt libre, parce qu'après, vous connaissez musique jeune, ce gars-là, vous connaissez. Mais après, un petit gars qui est ici, des fois, là. Ah, il est ici, hein. Il ne faut pas oublier, mais bon. Alors, avant de terminer avec Teddy, on va continuer avec le papa. Est-ce qu'on aurait un dernier mot à rajouter? Un dernier mot. Bon, des amis, tiens à remercier Patrice Palas du groupe Magnon. Et comme Teddy l'a dit, et Stéphane. Et puis, Emric, le batteur, que ça, tout ça là, pendant un an, deux ans d'entraînement, j'étais là, même voir plus de certains musiciens. Et puis, bon, et Mathieu, mon dernier petit, qu'il n'est pas là. Et puis, je tiens à remercier Joël du groupe Casabois, qui habite à Salazim aussi, que sans lui, nous n'étions pas là aujourd'hui. Ben, je remercie lui beaucoup, et puis ben, c'est comme nous connaissons, enfin, il connaît la vie des temps comme chanteur, on ne connaît pas nous vraiment. Voilà, c'est lui là de la WCD, oui, pour voilà, et je pense que si tout musicien était comme lui, ben, l'avenir avance. Ah oui, ben, c'est un artiste de cœur, Joël. Voilà, ouais.
Il rappelle donc votre contact si quelqu'un veut appeler à Zot, donc c'est 06 92 88 89 11, ça même. Oui, ça même. Hein? Et si quelqu'un veut contacter la Zot donc sur les réseaux sociaux, c'est www.facebook.com/dicilaofficiel, tout collé avec. Voilà. Et s'il veut parler plus vite avec nous, c'est Ted Dicila Gondin. Voilà, Ted, voilà. Collé avec ça. Oui, collé, Ted Dicila Gondin. Et puis, il tient à remercier Azot, Radio Salaz, qui voilà quoi, il fait beaucoup de plaisir et il est content que j'aurais dû nous départ des autres. Et puis ben, j'espère que nous aurons un autre jour. Et après un autre jour. En tout cas, c'est un plaisir partagé de recevoir Azot, puisqu'ils ont été très agréables. Nous aimons bien les gens comme ça. Ouais. Mais nous va finir avec Ted. Ouais. Allez, t'as là par la nuit maître d'offé. Alors, raconte-nous un petit morceau. Ou même l'écrit ça. Et oui, voilà, on va continuer notre groupe l'écrit le morceau. On explique à vous parce qu'en fin de compte, ma 22e c'est la love. Mettez nos réfutros, c'est galop aussi, au courant, ça va pas choquer, c'est galop. Et donc, du coup, une fois, par là, Charbif, il dit ouais, ben, à nous faire, c'est gars piqué. Le problème, c'est que la semaine prochaine, nous rentrons au studio. Mais donc, dans l'assise, un thème mettait une phrase, l'autre thème mettait l'autre phrase. Après, tu commences à jouer, t'es mal. Et après 30-40 minutes, là, tu commences à voir les affaires. Alors, on était deuxième entraînement, mais après, ben voilà, ben, la partie commence. Donc c'est un morceau sur la fête, pour faire la fête. Voilà, il tombe bien alors que la fin de l'année approche. Hein, voilà. C'était le but surtout. Hein. Voilà. Voilà. On aurait un petit mot à rajouter. Ben voilà, mais là, on va essayer d'avancer un petit peu. Et donc, ça sera mon premier album. On va peut-être être deuxième l'année prochaine. Et voilà, ben suivant même. N'hésite pas, et peut-être d'ici là, commenter sur Facebook, ajouter les sociales, les avec tout le monde, et voilà. Et là, mais voit par contre, avant de terminer, c'est vrai que des fois, une émission n'est pas suffisante, elle a tellement à faire pour raconter. Ouais. Mais là, pas tout de suite, encore, juste pour dire, mais voit que l'écrit, production, distribution, t'as pas. Donc c'est banal, il produit Azot. C'est Samuel, il fait tout. Samuel a fait tout. D'accord. Ouais. Et mais avoir aussi des jolies petites images, il y a le CD, là, il représente quoi, là? Ça, c'est les temps Saint-Paul, ça. Ça, les temps Saint-Paul. Nous sommes là-bas dans l'Ouest, on va dire les temps, on aura pas les temps pour moi. Et Stéphane, c'est vraiment un photographe, mais vraiment très bien. Il a su faire un truc simple, avec des dents simplicité, des verres, des. Pas trop. C'est ça que tu as choisi, c'est où l'a choisi l'image ou bien? Il a bossé ensemble en fait, il y a dans la même idée, comment la vie m'a inspiré. Voilà. Parce qu'après, devant aux amis Benazot 3. Voilà, pour chanter. D'accord. Et pourquoi pas avoir mis des musiciens? Ben, c'est un choix, c'est pas un choix de nous-mêmes, parce que personnellement, à même temps, on remet le groupe, c'est le choix ben, du producteur. Voilà, nous tout ensemble, on a discuté, ben là, sinon, on n'avait pas besoin, même dans mon clip, on a beaucoup dit, ouais, mais bizarre, parce qu'ils mettent rien en avant. Mm-hmm. Voilà, nous, là, essayons de jouer plus un cinématique que maintenant on connaît, que les très importants. Ah, très. S'il n'y a pas une cinématique, le clip, il tape pas vraiment. Les... Mais donc, voilà, on essaie de mettre une cinématique en place, ben les musiciens, ils donnent qui aller, ben là, ils connaissent des liens, quand de façon, on est là, il y a un souci. Dernier mot, ou bien c'est bon? Voilà, mais... Suivez-vous. Ouais, puis n'hésite pas à appeler si vous voulez. Rappelle le numéro de téléphone. Voilà, 06 92 88 89 11. Je demande Patrick du groupe ici là. Et puis ben voilà, il essaie de faire un affaire pour ça, une petite ambiance. N'hésite pas à l'appeler. Merci. Ouais. Ben voilà donc c'est terminé. Nous l'étions en compagnie du groupe ici là avec Patrick et Ted. Et nous va terminer avec la chanson Maître d'Offé. A bientôt pour un nouveau gardien. Merci, au revoir. À soi nous ça met la faya. À soi nous ça met de feu. Nous ça amuse. Tout le monde y a zot là. Nous ça va faya bande. Nous ça va craser à terre là. L'ambiance nous n'est pas terre là. Nous ça fait rouler. À soi nous ça met la faya. À soi nous ça met de feu. Nous ça va craser. Casse l'oreille la danse rayonnée. Nous les là pour amuser. Bat la main puis pour rayonner. Rayonner.
écoute déjà d'abord avant d'acheter et puis mais croire qu'il y en a toujours un ou deux va faire les autres dessus. Et puis voilà, et c'est à partir des autres que nous allons avancer. Quel morceau vous préférez sur le CD? Mes préférés, c'est mon garçon. La mienne, c'est pas mal aussi parce que bon, en fait, les quatre, les bien, et après, je me suis pensé pour le premier. J'aime vraiment bien. Et après, la mienne n'est pas mal longue. Et qu'est-ce que vous préférez dire aux gens pour qu'il y ait un site Azote d'achat toutes CD? Je voudrais dire mais voilà, que je vais évoluer. Et si vraiment le bon c'est gars, il plaît Azote. Donc, déjà, j'invite Azote à regarder mon clip destiné sur YouTube. Et après, voilà, s'il plaît à Zone vraiment, achète mon CD, comment m'y avance aussi. Ouais. Voilà. Yeah. Merci. De rien. Voilà, déjà, me remercie David et Niki. Et puis, Niki à la régie aussi. Merci Radio Salaz, big up. Que vraiment, grâce à Banda, voilà, qu'il est là et qu'il a filmé, tient photo, laquelle nous vraiment chaleureusement. Donc, voilà.